Bonjour à toutes et à tous. Voilà vous propose dans cette vidéo une explication détaillée de Volaboard, notre nouveau logiciel lié aux abonnements équestres et racing, Voilà vous expliquera aussi ses modalités d'abonnement. Dans un premier temps je vais suivre avec vous les étapes pour le téléchargement de Volaboard. Ensuite nous allons voir les avantages du logiciel. Puis dans un troisième temps, les différents modes d'usage de Volaboard. Ensuite, nous allons voir les différentes façons de s'abonner sur un logiciel quelconque, les modes de facturation. Et enfin, nous allons détailler les options de la rubrique « Publish » sur notre site web. Vous vous rendez sur notre site web voilà.fr à la rubrique « Timing ». Ensuite, cliquez sur « Logiciel » et dans « Utilitaire ». Cliquez sur Volaboard pour le télécharger et l'installer gratuitement. Allez dans votre historique de téléchargement et cliquez une fois le téléchargement fini. Ensuite, vous allez être redirigé vers une nouvelle page où vous devrez suivre des instructions. Cliquez sur « Oui » à ce moment. La nouvelle page peut mettre du temps à arriver. Voilà. Dès que vous êtes dessus, acceptez les conditions générales puis vous allez pouvoir ajouter un raccourci d'accès dans votre bureau. L'installation peut elle aussi mettre du temps, patientez jusqu'à l'affichage de l'onglet terminé. Cliquez sur Terminer. Vous êtes sur Volaboard. Suite à ce téléchargement, votre email et mot de passe est le même que celui que vous utilisiez pour télécharger des logiciels sur notre site web voilà.fr. Dans le cas où vous n'avez pas encore de compte, il faut en créer un en appuyant sur « Créer un nouveau compte ». Voilà vous permet de centraliser vos logiciels installés mais aussi de visualiser votre clé de protection, de vérifier si le logiciel est bien mis à jour, et d'avoir accès à la validation du type de clé de protection. Il vous permettra la gestion des logiciels installés sur votre ordinateur et les mises à jour disponibles. De plus, vous aurez accès au journal de modification et à la découverte des autres logiciels proposés par Vola. Sur cette interface, vous pouvez accéder à votre compte Bitouti pour l'achat des logiciels et pour gérer vos licences en ligne. Il y a aussi une possibilité de prise de contrôle à distance par nos techniciens Vola en cliquant sur l'onglet « À propos » et ensuite sur « Prise de contrôle à distance ». Pour vous rendre sur la page d'abonnement des logiciels, cliquez sur « Logiciels » puis ensuite sur la suite que vous souhaitez. Tous les logiciels. Suite circuit. Suite équestre. Dans cet onglet, vous retrouverez différents types d'abonnements et différentes façons de payer. Vous avez la possibilité de choisir un abonnement pour un mois. 6 mois. 12 mois. Avec des tarifs qui changent. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un paiement prépayé. Ou mensualisé. On reste maintenant sur le site web, dans la rubrique Mes abonnements. Une fois dessus, vous voyez plein d'autres sous-rubriques, nous allons les regarder ensemble. En cliquant sur Abonnements, cela vous permet de visualiser les abonnements auxquels vous avez souscrit, mais aussi les modalités de votre abonnement, comme sa durée par exemple. En cliquant sur Clés de protection, cela vous permet de visualiser vos clés de protection affiliées à votre compte et à vos abonnements. Ensuite, dans la sous-rubrique Gestion, cela permet d'associer vos abonnements directement à la clé de protection, enfin cliquez sur Publish. Vous avez le choix entre deux options. Vous pouvez ajouter un espace, cela vous permet la création d'une nouvelle page web avec l'URL qui s'affiche dans la barre de recherche. Ou récupérer un espace Publish, vous permet de le récupérer en conservant vos données de course, vous n'avez simplement qu'à renseigner votre login et mot de passe chronométreur. Ensuite, Mes espaces Publish permet de visualiser vos espaces actifs sur vos abonnements, vous avez un espace affilié à votre login chronométreur, il est aussi possible de lier les abonnements Clip Web TV à votre espace Publish. Attention,
il faut avoir un abonnement et un compte Publish pour utiliser les logiciels Clip, WebTV et WebTracking. Voilà, vous remercie de votre visionnage, à bientôt.